rôle est vraiment de créer une relation de confiance et de proximité aussi bien envers mes talents que mes clients. Ça se concrétise par plusieurs actions. On fait beaucoup de parrainage et j'ai de plus en plus, je dirais, une à deux fois par mois, vraiment des collaborateurs de vrais talents qui me recommandent auprès de leurs clients. Et ça, j'en suis vraiment très très fière. J'ai aujourd'hui dans mon portefeuille de talents 55 personnes, 55 talents, dont la moitié sont des CDI intérimaires. Pour moi, un talent manpower doit être déjà ponctuel à notre rendez-vous, avoir de fortes valeurs et aussi s'engager avec manpower lors de ses prochaines missions. Ce qui me motive le plus dans mon poste, ça va être l'employabilité de mes talents, de leur favoriser le plein emploi à travers les missions, bien évidemment, mais aussi à travers la valorisation auprès de mes clients et puis à travers la formation, puisqu'aujourd'hui on en fait aussi de plus en plus pour être diversifiant grâce à MyPass. Dès que j'ai détecté un de mes talents, je fais d'abord mon entretien. Dans les 2 heures qui suivent, je le push et je vais valoriser sa candidature auprès de tous mes clients. Alors, je le valorise avec un CV ou pas. Si je décèle vraiment une compétence qui est extrêmement recherchée, avec de vraies valeurs d'entreprise, il sera vraiment valorisé auprès de ses clients et même son CV.